cette année, les vœux que je forme pour le 15e et pour vous tous ont une connotation particulière en raison du moment social qui paralyse largement les transports dans notre pays et qui empêche les retrouvailles familiales, qui entrave le bon développement du commerce et de l'activité économique. Donc mon premier vœu sera évidemment pour qu'une solution soit trouvée, tout en faisant en sorte bien sûr que notre système de retraite, qui nous concerne évidemment tous, puisse être préservé dans les décennies à venir. Mon deuxième vœu, bien sûr, sera pour la qualité de vie dans cet arrondissement où l'équipe municipale, avec l'administration parisienne et les administrations d'État, s'efforcent de tout mettre en œuvre pour qu'il soit toujours plus agréable de vivre dans cet arrondissement que vous avez choisi, parce que nous l'aimons tous et nous voulons que cet arrondissement puisse se développer dans l'harmonie, dans l'équilibre qui le caractérise, tout en s'ancrant évidemment le plus possible dans le 21e siècle. C'est l'objectif que poursuit l'équipe municipale pour cette année, qui connaîtra bien sûr, comme vous le savez, un moment démocratique important avec les élections au mois de mars. Et je souhaite, ce sera un nouveau vœu, que ce débat démocratique puisse être exemplaire et que chacun puisse exprimer sa vision de l'arrondissement de façon la plus claire et la plus loyale possible. Le 15e est cet arrondissement d'excellence. Vous avez choisi de vivre. C'est un pôle d'excellence pour ses commerces, bien sûr, ses commerces de proximité. C'est un pôle d'excellence pour sa végétalisation, des arrondissements qui possèdent le plus de jardins et d'espaces verts. C'est un pôle d'excellence également pour ses établissements d'enseignement supérieur, puisque le 15e est devenu le deuxième arrondissement universitaire après le Quartier Latin. C'est un arrondissement d'excellence pour ses équipements hospitaliers et de recherche scientifique. C'est un arrondissement d'excellence également pour la concentration des médias qui depuis peu en fait le territoire où il y a la plus forte présence de médias en Europe. Bref, beaucoup d'atouts avec son développement économique important dans le 15e qui fait de notre arrondissement celui que vous avez choisi et celui où il fait bon vivre. Voilà, donc mes voeux pour terminer seront bien sûr pour que vous puissiez retrouver vos familles dans cette période de fête et que vos projets puissent se réaliser pour l'année à venir. Donc à l'aube de cette année nouvelle, je vous présente à chacune et à chacun d'entre vous mes voeux les meilleurs, de bonnes et heureuses années nouvelles, de santé exemplaire et de développement de tous vos projets. Merci à tous et bonne année 2020.